Pourquoi il est en train de courir? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attendez, mais il y a un tsunami juste derrière lui! Non, mais je crois que tu vas mourir! Eh bah ouais, même si tu nages, tu peux rien faire! C'est sûr que tu meurs, il y a un tsunami! Fallait t'abriter le plus vite possible! Bon, quelques jours avant, comme vous pouvez le voir, il était tout simplement en train de manger sa petite glace et quelqu'un lui jette des petits ballons d'eau. Je crois que ça vient d'un jardin. Et il a même réussi à faire tomber quelqu'un d'un vélo! Oula! Bon, du coup, le monsieur va se rendre directement dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il y a? Regardez, on a un bâton vivant. What? Il est en train de lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez tous les ballons qu'il avait. Attendez, me dis pas que ce mec, il va commencer à s'amuser à jeter de l'eau quand même. Non mais sérieusement, il vient juste de recevoir des ballons d'eau. Ça lui a pas plu, le faire à quelqu'un d'autre, bah ça se fait pas quoi. Allez, ok, il a fait le petit ballon d'eau. Non, me dis pas que tu fais ça quand même. Non mais sérieusement, ça l'amuse. Voilà, voilà pourquoi il faut pas avoir de mauvaises fréquentations, regardez. Maintenant il s'amuse à tirer des petits ballons d'eau sur des gens qui ont rien demandé. Non mais les pauvres, qu'est-ce que t'as fait? T'as sorti un ballon de ta bouche? Attendez, mais regardez le ballon, il est bien énorme. Non mais si tu jettes ça sur quelqu'un, il risque de mourir. Non, 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 tu vas pas jeter ça sur quelqu'un quand même. Non, non mais fais pas ça. J'espère qu'il y a personne qui va passer. Parce que... Oh, regardez la gigabombe! Et les deux, ils sont tout simplement en train de s'amuser. Hein. Alors, il a tout mis dans sa bouche, mais je pense que là, ça risque de faire un énorme ballon. Attendez. Regardez la taille du ballon! Waouh! Carrément, il a besoin d'outils parce que le ballon, il est énorme! Il doit faire presque un mètre! Non, mais c'est vraiment trop grand! Par contre, si je jette ça sur quelqu'un, le mec, c'est sûr qu'il meurt. Oh, oh. Non. Non. Attendez. Me dites pas que le truc, pour ouvrir l'eau, il s'est cassé. Fais quelque chose! Fais quelque chose! Non, le ballon, il va devenir super énorme! Oh non, regarde! On a le bateau qui commence à mourir! Bon, vas-y, fais quelque chose. Vas-y, explose le ballon! Explose le ballon, allez! Oh oh. Ça a carrément rebondi! Oh non! Mais non, mais tu vas pas me dire que tu t'enfuis quand même! Va falloir que tu fasses quelque chose! Non, non! Elle va casser la maison! D'ailleurs, les amis, si vous voulez pas que cet énorme ballon casse votre maison, abonnez-vous tout de suite et mettez le gros pouce bleu dès maintenant! Ok, le ballon devient de plus en plus grand et on a la personne qui était au début. Il vient de se réveiller, mais qui lui a volé son vélo? Non. Oh oh. Monsieur, faut courir! Monsieur! Oh là 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 là! Regardez la taille du ballon! Mais attendez, je rêve! Non seulement il vient de créer un ballon super géant qui risque de détruire toute la ville, mais il vole aussi un vélo! Non mais ce mec-là, il doit y aller en prison! Non mais sérieusement quoi! Allez, bon, un conseil, cavale, bombarde, bombarde. Ah ouais, je crois que le karma... Il y a le karma, puisque regardez, le ballon, il est en train de le suivre. En plus, il se va directement en ville. Wow, 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 faut bombarder. Je crois que la meuf, elle a... Oh ouais, la meuf, elle a rien compris, tu vas mourir. Vas-y, bombarde, 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 bombarde. Allez, faut que tu roules de toutes tes forces. Oh, le ballon continue à grandir. Oh là 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 là. Par contre, il sait bien faire du vélo, hein. Il descend les escaliers et tout avec. Moi, je sais pas du tout faire ça. Hein. Bah, je sais même pas pédaler en vélo. J'ai même pas de vélo. D'ailleurs, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez un vélo et si vous savez bien en pratiquer ou pas. Allez, c'est parti. Il a fait son petit dérapage. Il essaye de partir le plus loin possible. Oh. Il a fait un accident. Par contre, il est pas mort. Il est pas mort. Heureusement qu'il n'est pas mort, ça aurait pu être pire. C'est pour ça qu'il faut faire super attention sur la route, les amis. Regardez la taille du ballon. Oh là là, il fait carrément la taille d'une tour. Oh là 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 là, j'ai jamais vu un ballon comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, casse pas, sinon ça va créer le tsunami. Oh la vache, oh bordel. Oh bordel. Non, là tu peux rien faire, regardez, il y a tout le monde qui court. Il y a tout le monde qui court. Il y a tout le monde qui court, non! Bon, fais quelque chose, fais quelque chose! Non mais regardez, faut que tu remontes vite à la surface, sinon tu risques de mourir parce que t'as pas d'oxygène! Allez, remonte à la surface,
T'es pas un poisson? Qu'est-ce que c'est que ça? What? C'était qui ce personnage? Je sais pas du tout qui c'était. Allez, remonte à la surface. Allez, c'est parti. Nage, 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 nage. Bon, attendez. Vous savez quoi, les amis? Voir ce tsunami, ça m'a donné super soif. Allez, moi, je vais boire ma petite eau. Ok, il est à présent à la surface, les amis. Bon, heureusement qu'il sait nager. Il s'en sort plutôt bien. Essaye de t'agripper à un bâtiment. Oh, y a d'autres gens. Y a un monsieur. Aide-le, aide-le, aide-le. Aide-le. Mais wesh, il est sérieux? Non mais attendez! Mais c'est un yinche! Et il y a quelqu'un qui lui demande de l'aide! Ok, tu l'aides pas, y a pas de souci. Mais pourquoi tu le noies? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'a fait, ce monsieur? Allez, bon, vas-y, essaie de t'agripper à cette grue. Oh! Ouah, ça a dû faire super mal! Attendez. Il est de retour? What? J'ai l'impression qu'il est de retour. Les deux sont vivants. Le ballon a éclaté. Non, regardez à présent. Il balance le bâton. Le méchant bâton. Voilà, de toute façon, il méritait bien ça, hein, ce méchant bâton. En vrai, tout ça est de sa faute. Quelques mois plus tard, le monsieur est de retour. Regardez, il a de l'argent entre les mains. Je sais pas du tout, il va faire quoi avec. C'est parti, regardons la vidéo. Ok, il est tout simplement en train de courir comme d'habitude. Il en a pas marre de courir ou quoi? Oh, je crois qu'il voulait... Il voulait une petite glace, le pauvre. Comme la vidéo précédente, vous savez, au début de la vidéo, il avait une glace entre les mains. Oh, mais maintenant, comment les gens ils vont faire pour acheter des glaces? Ah, je crois qu'il va faire des glaces lui-même. Donc, il nous faut des glaçons, du sucre, de la crème. Ensuite, on ferme le tout. Et qu'est-ce qui se passe après? What? Tu mets des pinces électriques? Mais t'es complètement zinzin! Non mais... Ah non mais, ne refaites pas ça chez vous, hein. Ah non mais, il est zinzin. Ok, il ouvre ça. Et qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, on a beaucoup de vapeur. Et on a une boule de glace. Non, mais tu te moques de moi? Tu penses vraiment que ça fonctionne? Moi, j'y crois même pas une seule seconde. Non, non, mais sérieusement, c'est quoi ce troll, là? Bon, de toute façon, on va voir ça a quoi comme goût. Donc, j'ai l'impression que... Non. Je rêve ou ça a parlé? Je rêve? Où vous avez bien vu, la glace, elle a pleuré. Non mais... Non mais, attendez, je comprends pas là. J'ai halluciné ou... Non. Non, la glace, elle a vraiment bien pleuré. What? Je crois qu'elle a pas du tout envie de se faire manger en fait. Oh, pauvre petite glace. Bon, qu'est-ce que tu lui cherches? Une tétine! Oh, le petit bébé! Oh mais oui, c'est le petit bébé, il lui a mis une petite tétine et tout. Ok, bah laisse-le dormir. Ok, c'est la nuit actuellement. Et regardez, on a le bébé qui se remet à pleurer. Bah, qu'est-ce qu'il veut à présent? Oh regardez, il lui a même mis des petits glaçons pour pas qu'il fond. Oh, c'est trop mignon. Mais tu sais que ça aurait été plus simple que tu le mettes directement dans le congélateur. Parce que si tu lui mets à chaque fois des glaçons, les glaçons ils vont forcément fondre. Il réfléchit pas ce mec, hein, complètement débile. Je crois qu'il en veut plus de sa tétine. Donne-lui à manger, non? Oh! What? Il y a des petits bonbons qui coulent. Oh, tu vas lui mettre dans un petit pot? Et maintenant, il va le manger? Oh, je crois que ça l'a bercé. Oh, c'est trop bien. À présent, il dort. Oh, bonne nuit! Oh, c'est trop mignon. Vas-y, à présent, il va dodo. Et là, on est le matin. Tu lui donnes directement du sucre! Le bébé, il va pas manger que du sucre. Non mais... Non mais, je rêve ou c'est vraiment sérieux, là? Ok... Non mais, attends, 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 c'est un bébé! Tu me dis pas que t'essayes de le manger, quand même! J'espère que tu vas pas le faire! Oh! Regardez, à présent, il a des yeux! Oh, il est tout beau! Maintenant, il voit son papa! Ok, il cache la cuillère. Il cache la cuillère, ok, ouais. Ouais, c'est bon. Hein? Personne n'a rien vu. Maintenant, regardez, la glace devient un grand garçon. Oh, c'est trop bien. Il essaye de marcher. Allez, relève-toi, c'est pas grave. On essaye de remarcher. Allez, repose-le.
Ah, bah il a pas voulu. 2 plus 2. Moi je sais, c'est 4. Non, mais c'est pas 3. 2 plus 2. 4. Attends, pousse. Vous venez de voir ce que je viens de voir. Le mec a littéralement plus de 30 ans, c'est un adulte. Et il vient d'utiliser la calculatrice. Non mais il se moque de moi. C'est comme si je vous demandais 1 plus 1. Et je vais dans ma calculette. Alors hop, calculatrice. 1 plus 1 égale 2. Non mais sérieusement. C'est super facile. Je suis désespéré par ce mec. Ah ouais, il va pas faire un beau père. Hein. Oh regardez, il commence à s'amuser. Bon après, tu pourrais quand même laisser ton papa lire tranquillement. Hein. Il n'y a pas à l'embêter, surtout à mettre plusieurs trucs par terre, quoi. Allez, t'es puni. Bah oui, t'es puni, on fout pas le bordel. Non, pourquoi il s'énerve contre la cuillère? Ah, des brocolis, non mais c'est dégueulasse. Et ça, c'est, ça, je sais, c'est pour l'enfant, ça. Warning, only cool. Oh. Ah ouais, dedans, ça doit être l'Antarctique. Dedans, il doit avoir des pingouins et tout, hein, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Il doit avoir des ours polaires et tout. Waouh, juste en regardant la vidéo, ça me donne froid. Waouh. Ok, rentre pas à l'intérieur et mange tes brocolis tout seul. Hein. Ah. What? Par contre, il a une tache noire sur la tête. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être ce sont ses cheveux. Ah non, c'est du chocolat. Ah, c'est du chocolat. Mais oui, c'est du chocolat. Un peu comme dans les McFlurry. Ok. Lui, il a un peu du mal à manger sa brocoli. Hein. En même temps, c'est des légumes. Qui aime les légumes, sérieusement? Alors, on a Harry Potter, là, qui vient de Pop, hein. On voit juste pas sa cicatrice. Voilà, donc ils vont faire le petit puzzle ensemble. Ouais, par contre, c'est compliqué. Oh, il est trop fort. En même temps, c'est un génie. Je suis sûr, il a dû faire un sort. Il a dû faire Wingardium Leviosa, un truc dans le genre. En vrai, il devrait lancer un petit sort en secret de Avada Kedavra sur son père, hein. Parce que son père, faut que je vous le rappelle ou pas? Parce qu'il a tué juste quelques milliers de gens. Même des millions, je sais pas, hein. De toute façon, ça n'a pas été dit dans la vidéo, mais il a dû tuer pas mal de gens avec le tsunami qu'il a créé. Ah. Il aurait dû y aller en prison. Bon. Allez, au moins, il s'occupe bien de la glace, quoi, de son petit bébé, quoi. En tout cas, c'est bien mignon. Et ouais. Ok. Là, il est allé chercher le courrier. Et il a un courrier pour Monsieur Glace. What? Oh! Il va à l'université. Je crois qu'il est super content. Ok, il envoie un message. Wesh, il a carrément un téléphone. Ok, maintenant il va à l'université avec son petit sac. Oh, c'est trop mignon. Oh non, il pleure. Oh, il veut lui faire un câlin. Oh, c'est trop mignon. Oh. Non, attendez, attendez. Oh non, mais je rêve où il vient de manger. Non. En fait, je comprends mieux pourquoi le papa, il le nourrit. En fait, il veut qu'il soit bien grand pour le manger, en fait. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais juste ici, il a tapé un croc. Oh, mais c'est affreux, quoi. C'est vraiment le pire des pères, hein, ce mec-là. Oh, il vient de se rendre compte. Oh, il veut le manger. Cours, monsieur la glace, cours. Oh. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais il a de la glace au niveau des bras. Et je crois qu'il a littéralement mangé son enfant. Et il est actuellement recherché par la police. Je sais pas du tout si vous entendez les gyrophares dans la vidéo, mais je vais essayer d'augmenter le son. Attendez, il n'y a pas que la police, il y a également des chiens. En fait, il a commis un meurtre, quoi. Ouais, bah, enfuis-toi, cours bien. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu sous la vidéo, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la prochaine.